Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2021. Je crois, sans trop m'avancer, que nous attendions avec impatience la fin de cette année 2020. Une crise sanitaire inédite nous a touchés, demandant à chacune et chacun d'entre nous des efforts aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je souhaite retenir de cette année la solidarité, l'adaptabilité ou encore la fraternité dont vous avez fait preuve. Cette crise sanitaire impacte durement notre économie. J'ai soutenu et défendu l'ensemble des mesures visant à protéger les salariés, à maintenir nos entreprises et à préparer la relance. Mon travail à l'Assemblée nationale est de rappeler les spécificités de nos territoires de montagne, autant leurs atouts que leurs difficultés. C'est notre circonscription que je défends, riche par son dynamisme et sa diversité, de l'industrie dans la vallée de l'Arve à l'agropastoralisme et bien sûr au tourisme. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux avec qui j'ai pu échanger et travailler durant cette année. 2021 sera l'année de la transition écologique. Un tiers du plan de relance, soit 30 milliards, sera consacré à l'environnement. 2021 verra le projet de loi issu des travaux menés par la Convention citoyenne pour le climat et nous continuerons notre combat pour la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. La relance économique en 2021 ne doit pas nous faire oublier que nous devons être totalement investis sur le plan de la santé et sur le plan social. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.